Bonjour tout le monde. Alors, en premier lieu, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, en bonne santé. Et alors, surtout, je vous adresse tous mes bons voeux pour cette année 2017. Qu'il n'y ait dans votre vie, qu'il y ait que du bonheur, de la joie, de l'amour inconditionnel. Que ce soit que ces émotions soient qui sont les plus pures, viennent à vous dans votre vie, chaque jour de votre vie, pendant toute cette année et même toutes les autres années à venir. Mais je vous souhaite vraiment de bonnes choses. Je souhaite que vos voeux se réalisent. Je vous souhaite vraiment d'être en bonne santé et de respirer la joie à chaque moment de votre vie et d'essayer d'être le plus possible dans l'ici et maintenant. Voilà, je vous souhaite le meilleur à chacun d'entre vous. Alors, et pour commencer l'année en beauté, donc le thème d'aujourd'hui, c'est vrai que j'ai envie de parler avec vous de détox. Détox, ça veut dire détoxifier votre organisme après les fêtes. Parce que c'est vrai que les fêtes, on abuse un petit peu d'alcool par-ci, un petit peu de toast, un petit peu de bûche, un petit peu de raclette, et puis pour finir, on a un ventre qui augmente, augmente, et puis pour finir, on accumule aussi des mauvais gras, des pleins de sucre, etc. Et je pense que c'est important de penser à notre organisme et de se défaire de ces déchets dont on n'a plus besoin. D'accord? Donc, on va parler de ça. Mais avant tout, je voulais vous parler, pour commencer l'année en beauté, parler un tout petit peu de la loi de l'attraction. Alors, c'est très connu. Donc, c'est même pas que je vais vous l'expliquer en bref, c'est que pour commencer l'année en beauté, je pense que employer des mots positifs et adéquats vont vous aider à avoir des communications sincères et justes le plus possible. Alors, je sais qu'on peut pas toujours. Enfin, je sais que des fois les situations sont délicates, mais voilà. Je vais vous parler un petit peu. Donc, enfin, la loi d'attraction, ça se passe comme ça. Donc, vous envoyez du positif et le positif revient vers vous. Vous envoyez du négatif et le négatif revient vers vous. C'est comme ça que ça se passe. Mais vous pouvez essayer de changer les choses avec les mots parce que les mots, au départ, sont des pensées. Et une fois que vous les sortez de votre bouche, ces mots se matérialisent. Ils prennent forme de matière. Vous comprenez? Donc, je vais vous donner ici, par exemple, trois exemples pour essayer de vous faire comprendre que si vous employez les mots adéquat et plus juste et plus positif reviendra à vous du positif, d'accord? Donc je prends l'exemple, par exemple, je prends l'exemple, par exemple, vous voulez gagner au loto, vous êtes en position de je vais gagner, donc je vais gagner, je vous jouez au loto, vous inscrivez vos chiffres et puis pendant que vous êtes en train là d'entourer vos chiffres, il y a une pensée dans votre tête qui vient, qui vous dit, bon, de toute façon, c'est quasiment impossible que je gagne, donc, mais bon, je joue quand même. Mais alors là, vous pouvez annuler et recommencer votre demande à l'univers, parce que vous ne gagnerez pas au loto, parce que tout ce qui est doute, crainte, peur, anxiété, ça annule directement la demande que vous envoyez, parce que vous n'avez pas assez foi en ce que vous voulez. En ce que vous désirez vraiment, parce que quand on désire vraiment quelque chose, je suis sûre que vous l'avez déjà expérimenté, ça se réalise, mais très vite, parce qu'il n'y a eu aucun doute dans votre tête, c'était comme ça, c'était sûr, sûr et certain, et ça s'est réalisé, mais quasiment directement. Bon, autre exemple. On se calme, Steph. Un autre exemple, c'est l'exemple de la célibataire. Pour l'instant, je suis célibataire. Mais ça va, je ne reçois plus, il me semble, ce genre de phrase. Moi, je reste dans le positif et je vais être très bientôt sur mon chemin. Il y a un homme qui est là pour moi, je visualise dans l'instant présent, etc. Mais ça, c'est moi, donc je fais mon travail. Mais les autres autour, qu'est-ce qu'ils m'envoient? Ils envoient ça. Oh, la pauvre, elle est encore célibataire. Alors, sur une phrase. Qu'est-ce que vous m'envoyez sur une phrase? Imaginez, hein, c'est court, hein, une phrase. Vous m'envoyez. Oh, bon, la négation, et ça en passe encore. La pauvre! Vous m'envoyez de la pauvreté dans mon célibatérisme, est-ce que ça se dit? Je ne suis pas très sûre.
Bref, vous m'envoyez de la pauvreté dans ce domaine que je suis célibataire en plus de ça, et vous m'envoyez encore que je sois célibataire. Donc, c'est vraiment, c'est énorme cette phrase-là, quoi. Vous m'envoyez de la pauvreté, vous m'envoyez que dalle en fait, et vous m'envoyez encore pour que je sois encore célibataire. Alors, peut-être que vous ne. Ce sont des phrases, je sais bien, spontanées qu'on dit, et que zut, si on doit surveiller à chaque fois ce qu'on dit, c'est embêtant, je comprends. Maintenant, si vous changez de temps en temps, le plus souvent possible, quelques mots comme ça, que vous transformez en positif, et même pas dire j'espère qu'elle va voir quelqu'un, parce qu'alors là, moi je reste dans l'attente et dans l'espoir, vous comprenez? Du coup, Steph, elle a quelqu'un bientôt. Elle a quelqu'un le plus vite possible. Steph, elle est avec quelqu'un le plus vite possible. Vous comprenez? Il faut transformer ces phrases. Sinon, ben, du coup, vous m'envoyez des choses. Donc, c'est-à-dire que, à part moi-même qui peut faire en sorte d'agir et de penser positivement, il y a aussi les facteurs extérieurs qui sont les personnes qui vous envoient en parole et même en pensée, mais en parole surtout, quand c'est devenu de la matière, vous envoient ces choses et qui arrivent dans votre énergie. Vous comprenez? Troisième exemple, l'exemple de votre enfant, vous voulez que votre enfant réussisse à l'école. Ok? Bon, déjà, évidemment, ça doit venir de lui-même. Clairement, c'est comme la célibataire, si elle veut être avec quelqu'un, elle doit agir et ça doit venir d'elle-même. Celui qui veut gagner au loto, il faut déjà qu'il joue. Ça doit venir de lui-même aussi. On est d'accord, d'accord? Donc, il faut qu'il y ait du volontarisme en lui, qu'il fasse des efforts pour réussir à l'école. Ça va de soi, je suis d'accord avec vous. Mais en attendant, vous êtes là, à côté, vous discutez avec quelqu'un, que ce soit votre partenaire, que ce soit une dame qui a aussi ses enfants dans la même classe que votre enfant, vous discutez avec elle et vous ne faites simplement pourtant qu'énoncer des faits. On est d'accord, vous dites. Oh, c'est pas possible. Il a encore été puni, il a encore insulté, il a encore frappé. Qu'est-ce que vous envoyez à votre enfant dès que vous avez formulé cette phrase? Vous envoyez de la continuité, c'est-à-dire encore des insultes, encore frappé et encore des punitions. Et après, vous remarquez pas que finalement c'est une continuité et que votre enfant est encore puni et a encore insulté. Est-ce que vous remarquez quand même que ça se passe comme ça dans la vie? Enfin bref, moi là j'essaie de vous expliquer que ce que vous devez envoyer là, par exemple à votre enfant, si vous voulez qu'il réussisse à l'école, évidemment, comme je vous l'ai dit, c'est d'abord lui, il doit faire les efforts nécessaires. Vous devez aussi, vous en tant que parent, vous devez, ce n'est pas une obligation, je vous invite à voilà, faire tout ce qui est en votre pouvoir pour qu'il réussisse. Prendre, si vous savez, un prof en extra pour qu'il puisse combler les manques de certaines matières. Vous aussi l'aider chaque jour, chaque soir, etc. Et en même temps, quand vous parlez de votre enfant à quelqu'un, ne dites pas non, ça va pas du tout, il a encore été puni. Non, ne dites même pas ces phrases-là. Vous le savez de toute façon déjà. Et la personne. Voilà, dites et soyez positif avec la personne. Oh mon enfant, ça va aller, ça va très bien aller, il va réussir à l'école cette année, tout va bien. Restez positif, ok? Donc, quelles que soient les situations, il y a la personne en premier qui s'attire du positif ou du négatif, mais il y a également vous, les personnes extérieures, l'entourage qui envoie les paroles négatives ou positives. À vous de choisir. D'accord? Mais moi, c'est ce que j'avais envie de parler de ça avant de parler de la détox, c'est que si vous voulez commencer l'année en beauté, eh bien pensez positif. D'accord? On fait du mieux qu'on peut, je sais. Moi aussi, je fais du mieux que je peux. Même dans mes vidéos, je sais bien que des fois, j'emploie des mots que je ne devrais pas employer, mais c'est fait, c'est fait. Mais voilà. Si vous voulez, vous pouvez même dire quand vous avez dit quelque chose de négatif, annulation, j'annule et vous recommencez. Bon, ça, c'est. On reparlera de la loi de l'attraction. C'est vraiment très bref. J'avais vraiment juste envie de vous en parler pour vous dire quel impact ça a vraiment. D'accord? Alors maintenant, on passe à la partie que vous attendez sûrement le plus, la détox.
détoxification du corps et de votre organisme interne. Alors, en fait, je vais vous parler. Il y a plusieurs manières de détoxifier son corps. La première, je veux dire, c'est une des plus faciles et plus accessibles pour tout le monde, c'est de presser le jus d'un demi-citron frais et de le verser dans de l'eau tiède et de boire ça le matin à jeun. Vous faites ça pendant 7 jours. Pas plus, parce que le corps a une acidité déjà présente dans l'organisme. Et donc, si vous dépassez ces 7 jours-là, du coup, vous risquez d'augmenter et d'élever ce taux d'acidité. C'est pas bon, d'accord ? Maintenant, vous pouvez recommencer ça, aller tous les mois ou tous les 2 mois, faire 7 jours. Comme ça, c'est super bon pour le corps parce que le citron contient beaucoup de vitamines, évidemment. Donc ça, c'est la première solution. La deuxième solution, c'est... je sais que vous allez vraiment vouloir de dire ça, mais c'est vrai que c'est une solution superbe. C'est de faire du sport 1 à 2 fois par semaine. Même si c'est juste 30 minutes que vous intercalez dans votre agenda, 30 minutes, hop, on court un petit peu. Vous pouvez rester chez vous, hein, je sais bien que c'est l'hiver, on n'a pas envie de sortir, etc. Allez, pendant 5 à 10 minutes, on fait un petit peu de surplace, on y va. Puis 10 minutes, 5 minutes d'abdos, puis 5 minutes de squat, 5 minutes de ça. Il y a plein de vidéos sur YouTube et sérieusement, vous allez éliminer les toxines de votre corps, les mauvaises toxines, quoi. Vous allez suer. Et cette sueur, c'est les déchets que vous éliminez, tout simplement. Donc, c'est que du bon. Et donc, n'oubliez pas non plus de vous hydrater et de boire beaucoup d'eau. Hein. Alors, une autre option, c'est de prendre des ampoules à diluer dans de l'eau, à boire. Et ça s'appelle de l'épactif de la marque Phytoform. Donc, épactif, il va agir sur votre foie. Il va drainer votre foie. Donc, c'est nickel parce que généralement, c'est vrai que c'est beaucoup le foie qui prend quand on mange comme ça, très très riche, très gras, etc. C'est le foie qui en prend un coup. Donc, pour le nettoyer, vous pouvez prendre ces ampoules qui contiennent de l'artichaut, du pissenlit, je pense de la reine des prés, du desmodium, enfin bref, tout ce qui va aider pour drainer votre foie. Moi, je l'ai déjà fait plusieurs fois, c'est vraiment top. Je veux dire, on sent rien, ça fait pas mal, quoi. Ça nettoie juste votre foie. Et il y a 20 ampoules dans la boîte. Ça coûte à peu près 18 euros. Vous trouvez ça souvent dans les magasins bio, etc. Parce que c'est fait principalement à base de plantes, de toute façon. Et donc, c'est vraiment nickel pour nettoyer son foie. Alors, tant qu'on parle de cette marque-là, Phytoform, je voulais aussi vous parler, vu que selon la médecine traditionnelle chinoise, nous sommes en hiver, c'est la période du rein. Le rein, c'est vraiment c'est l'organe vital. Enfin, ce sont tous des organes vitaux, hein, mais je veux dire, ici, les reins, pour les Chinois, dans la médecine traditionnelle chinoise, c'est l'organe le plus important. C'est celui qui fait fonctionner tous les autres, en fait. Et donc, il y a également dans la gamme de Phytoform, Rein Actif. Donc, R-E-I-N, Rein Actif. Au lieu d'épactif, c'est Rein Actif. Et là, ça va drainer vos reins. Donc, comme on est dans la bonne période, je vous conseille aussi, tant que vous y êtes, hop, de prendre une petite boîte de 20 ampoules aussi. Une cure, donc, de 20 jours. Vous secouez bien votre ampoule. Vous mettez dans un fond d'eau. Et voilà, vous avalez à jeun chaque matin. D'accord ? Ça, c'est vraiment les cures les plus faciles à faire, selon moi, et les plus accessibles. Ensuite, vous avez aussi The Purge. The Purge, et je l'ai fait samedi, donc je vais vous en parler vraiment clairement et consciemment. Je vais vous parler du sel d'Epsom. Vous pouvez également utiliser donc du sel d'Epsom pour vous purifier. C'est un sel qui est très riche en magnésium, donc c'est très bien pour ceux qui sont souvent en carence et qui doivent souvent boire de l'eau épars ou prendre des capsules de magnésium, genre Metarelax ou ce genre de choses. Eh bien, vous pouvez faire cette purge après les fêtes et même à chaque changement de saison. C'est pas une purge à faire tout le temps parce qu'elle est quand même très intense. C'est un sel très riche. Et j'ai pas dire abrasif, mais bon, pour nettoyer à ce point-là, vous allez comprendre si vous le faites. C'est très intense comme purge de l'organisme.
Donc, du sel d'Epsom, vous en trouvez aussi dans les magasins style Biocap, Bionaturel, etc. C'est un sel culinaire, donc vous pouvez l'utiliser en cuisine, mais il est très amer. Bon, après, voilà. Comment ça se passe? Comment ça marche? Donc, en fait, ce sel va venir purifier le côlon, les intestins, le foie et la vésicule biliaire, la paroi intestinale, parce qu'il faut savoir que dans les intestins et sur la paroi intestinale, nous avons des déchets qui restent collés. Et eux, même si on va à sel, ces déchets-là, eux, ne partent pas spécialement. Donc ce sel, lui, va faire décoller ces déchets-là aussi. Et donc, c'est collé dans les cils des intestins, c'est englué, c'est le gluten, le mauvais gras, le sucre, etc. Tout ce qui a pu venir se coller à la paroi intestinale et aux cils des intestins, c'est venu se mettre là. Et ça reste là pendant des mois, des mois, des mois. Et ça ne passe pas. Et des fois aussi, c'est ce qui peut provoquer des bouchons ou même de la constipation. Du coup, cette purge-là va vraiment venir décoller tout ça. Effet toboggan. Et vous allez voir, après, on se sent vraiment bien. Donc, comment ça marche? Il suffit de prendre une cuillère à soupe à 2 heures d'intervalle. Vous choisissez un jour. Donc moi, je l'ai fait samedi, par exemple. Samedi, vous restez chez vous, vous ne prévoyez rien parce que vous allez souvent aller aux toilettes. Donc, assurez-vous aussi que les toilettes soient libres le plus souvent possible, ok? Donc, ce que vous faites, moi j'ai fait comme ça. À 11h, j'ai pris une cuillère à soupe de sel d'Epsom que j'ai versé dans un verre d'eau. Ensuite, j'ai mis, enfin, dans un verre d'eau pas rempli, hein, voilà, vous mettez ça d'eau, vous diluez le sel. Vous le diluez bien, hein, d'accord? Il faut vraiment qu'il soit bien dilué et qu'on ne le voit plus. Ensuite, vous préparez à côté un grand verre d'eau, juste de l'eau, ok? À 11h, vous retouillez bien pour que ce soit bien dilué. Vous buvez en essayant de pincer les narines, vous voyez, parce que c'est très amer. Vous allez voir, oh, sur la langue, c'est amer. C'est pas bon, quoi, d'accord? Donc, vous le buvez, vous l'avalez d'un trait. Et ensuite, vous buvez aussi votre verre d'eau. Continuellement, quoi. Faire des pauses, hein, ok, genre un petit peu, et puis hop, continuer à boire, à boire, à boire, à boire. D'accord? Vous faites ça. Ensuite, 2 heures après, vous allez commencer peut-être à sentir déjà les glouglous, et peut-être vous déjà aller aux toilettes. On a tous un organisme unique, et peut-être que pour vous, ça ira plus vite. Par exemple, moi, il a fallu un peu plus de temps parce que j'ai les intestins un peu lents. Bref, je vais pas parler, pas épiloguer de mes intestins. Mais donc, ensuite, à 13h, à 2 heures d'intervalle donc, vous reprenez une cuillère à soupe que vous diluez dans un peu d'eau, bien diluée, le grand verre d'eau à côté, aglou, 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 vous buvez tout, et puis ben, vous allez voir, ça va. À la deuxième fois, généralement, ça marche, hein. Moi, la première fois, ça n'avait pas fonctionné. Encore une fois, un corps n'est pas l'autre. Et à partir de là, vous allez commencer à glouglouter. Ça ne fait absolument pas mal. Il n'y a pas de colique et de crampes comme quand on a une gastro, etc. Il n'y a pas besoin de reconstituer sa flore intestinale parce qu'elle n'a pas été abîmée, qu'en plus de ça, vous lui avez apporté du sel directement. Donc, pas besoin de manger des choses salées pour dire et vous avez bu aussi de l'eau. Vous pouvez continuer. Vous pouvez boire, hein, de l'eau sans problème au niveau de la journée. Et le matin, manger léger. Comme moi, j'avais mangé 3 cracottes. C'était très léger. Et alors, au soir, j'ai bu une soupe instantanée mais liquide qu'on retrouve chez Biocap. Donc, il n'y a que des épices, des aromates dedans et de l'eau, vu que je verse de l'eau bouillante pour mélanger. Donc, ce n'est pas les instantanés Roaco, hein, on est d'accord? Donc, vous pouvez hein, manger hein, si vous vraiment vous sentez pas bien, manger. Donc, voilà. Et vous allez voir, vous allez purger toute la journée. Ça va commencer à se calmer au soir. Alors, moi, j'ai repris à 15h. Donc, 11, 13h, 15h. J'ai repris une troisième cuillère. Et donc, évidemment, même encore le lendemain matin, j'ai été une ou deux fois, mais très peu. Et mes selles étaient très propres. Et le but, c'est que vos selles soient très propres. D'accord? Et vous allez voir, si vous regardez, ben, quoi, on observe ces selles, hein, c'est un peu normal, que voilà, vous les avez bien nettoyées. Et moi, pour finir, ce n'était que de l'eau, donc je me suis dit, ben voilà, j'ai bien nettoyé mon organisme intérieur et ça m'a fait du bien. Et le lendemain, le pire de tout, c'est que moi, j'avais un peu faim pendant la journée.
parce que j'avais pas mangé à midi et ni au soir, à part la soupe qui était de l'eau en soi, comme une tisane, quoi. Donc j'avais faim. Et bien pour finir, bon, je me suis occupée, j'ai lu, etc. Et je suis allée dormir. Et ensuite, le lendemain matin, j'étais en pleine forme et j'avais pas faim. Donc on peut même être prêt à faire un jeûne de 1 ou 2 jours, quoi. Mais bon, on n'en est pas là. Ici, c'est vraiment la purge. Donc voilà. Donc voilà pour le sel d'Epsom, ok? Alors pour ceux qui souffrent de tension artérielle, je ne conseille pas de prendre, de faire cette cure-là, d'accord? C'est beaucoup trop riche en sel et c'est pas bon pour la tension, d'accord? Voilà. Alors moi, ce sont les choses qui me sont venues pour détoxifier votre corps. Si vous avez d'autres idées, ah oui, j'avais aussi pensé, n'hésitez pas à faire des green smoothies. Des smoothies verts, donc à base de légumes, ça détoxifie pas mal aussi les légumes, donc n'hésitez pas quoi, ok? Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous avez envie de plus d'informations, n'hésitez pas à poser vos questions. Et si vous avez, vous, d'autres idées, inscrivez-les en bas de la page, j'y répondrai avec joie. Voilà. Donc je vous souhaite vraiment un très bon début d'année et même un bon milieu et même une bonne fin déjà. Donc mais que tout se passe bien, d'accord? Et surtout, détoxifiez-vous bien le corps, c'est important de penser à lui parce que c'est grâce à lui qu'on marche tous les jours et qu'on fonctionne bien. Donc d'accord? Voilà, je vous envoie 1000 bisous. Que ça se passe bien pour vous. Bonne journée!